Cher journal, j'ai réussi. J'ai attendu des années pour aller en Europe avec les lunes de mon cœur. Mais parfois, on est obligé de se faire plaisir soi-même. Oh, quel froid! J'ai demandé à tout le monde de venir avec moi. Mais Cindy devait travailler, Phyllis était malade, et après l'incident de la course de chameau l'année dernière, j'ai pas pu demander à ma mère. Au début, je me sentais déprimée. Mais dès mon arrivée en Europe, j'ai compris que je pouvais passer un très bon moment toute seule. Sois pas bête, je vais devenir ma meilleure amie. Et je n'ai aucune raison de ne pas m'amuser pendant ces superbes voyages. Oh, bien sûr, je n'aurai personne à qui parler et je serai obligée de dîner seule au restaurant. Mais je suis une femme forte et indépendante et je n'ai besoin de personne. Je commençais vraiment à me sentir bien. Attention, Naomi Lund vient d'atterrir et elle va s'amuser comme une folle. Wouhou ! Je rencontrerai peut-être l'amour de ma vie. Quelqu'un qui saura véritablement apprécier une femme vivante comme moi. Si ça se trouve, il sera membre d'une famille royale, comme un duc, un baron ou un prince. Oh, imaginez-moi en princesse ! Mais les choses ont commencé à devenir bizarres juste à ce moment-là. Me voilà, Europe ! Montre-moi ce que tu veux ! Je suis prête à tout ! Un monstre est signalé. Mais on vient de revenir. Bah oui. C'est la gloire qui nous appelle et on ne peut pas refuser. C'est pourquoi on part immédiatement. J'ai pas envie. Non. Je vous donnerai 20 dollars. On est parti. Eh ouais. Pour 20 dollars, on est prêt à tout. Wouhou. Yeah. Non. Avoir traversé un pont dans un village, pas dans une forêt. Peut-être que voyager seul n'était pas une très bonne idée. Allez, messieurs, on lève les genoux, on bouge les bras, on fait circuler le sang. Prenez mon nom en cadence. C'est ça encore, c'est ça encore, c'est ça encore, c'est ça encore. Il ne nous reste plus que 15 kilomètres. J'ai intérêt à partir d'ici, et vite. Oh, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai vu que dans les livres, mais si je ne me trompe pas, c'est un château. Quel merveilleux jardin de roses! Je n'en ai jamais vu d'aussi beau! Hé, hey, toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est toi qui viens de me parler? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Comme tu le vois, je suis une danse des étoiles! Une chatte vient de m'adresser la parole. Soit je me suis cogné la tête trop fort en tombant, soit ce pays est encore plus bizarre que je ne le croyais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as avalé ta langue? Oh, tu as l'air d'être très nerveuse! Essaie de faire des pirouettes! Tu verras, tout ira mieux ensuite! D'accord! Petite Rose, vous êtes resplendissante aujourd'hui. Je vous adore. Oh, c'est le propriétaire du château. Qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour, je m'appelle Naomi. Mm-hmm. Je suis le prince Exentro, enchanté. Un prince? Oh, quelle chance. Il va tomber amoureux de moi et on va se marier. Je porterai une couronne avec plein de bijoux et on vivra heureux jusqu'à la fin de nos jours. Dis donc, qui c'est cette cruche? Dépêche-toi, faut y aller. Va voir ailleurs, sorcière. Où en étais-je? Ah oui, je m'appelle Naomi Loon, je suis ici en vacances et je me suis retrouvée par hasard dans votre jardin que je trouve magnifique. Je sais sûr que vous et moi, on a beaucoup de choses en commun. C'est étrange que le destin peut rapprocher deux personnes qui ne se connaissent même pas. Hein? Où allez-vous? Restez! On commence tout juste à faire connaissance. N'ayez crainte, je reviendrai. Mais promettez-moi de ne pas partir et de m'attendre ici. D'accord.
D'accord. On peut y aller maintenant. Tenez, c'est pour vous souvenir de moi. Oh, merci. C'est promis, je ne bougerai pas d'ici. Mais d'où vient ce bruit? Quelque chose ne va pas? Oh, ça, c'est le signal. Quel signal? Ça veut dire qu'ils vont bientôt décoller, alors on a intérêt à partir. Vite! À moi le prochain objet de monstre. Mon dernier voyage ici n'était qu'un rêve. Oh, je suis pas mal là-dessus, excepté les pattes de doigts. Vu les circonstances, il ne nous reste plus qu'à faire des pirouettes, alors on y va? Bonne idée! Tout à l'heure, ça m'a fait du bien, mais ça risque de ne pas marcher cette fois-ci! Où on va, papa? À la forêt de Gemtree, au centre du royaume de la Terre. On cherche quel genre de monstre cette fois-ci? Difficile à dire. Je sais seulement que c'est très petit et que ça se déplace. Il y a une clairière devant nous. On va s'y poser et continuer notre recherche à pied. Oh, ça fait des kilomètres qu'on marche. C'était peut-être une fausse alerte. Et si on rentrait à la maison? Que les choses soient claires. Si on rentre maintenant, t'auras pas tes $20. Je me doutais qu'il dirait ça. Oh, regardez! Encore vous? J'étais là le premier, tout objet de monstre est à moi. Si tu crois que tu vas en trouver un, tu te mets le doigt dans l'œil. Ah oui? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Ils se battent comme des chiffonniers. Ils feraient mieux d'apprendre à se contrôler. Ah oui, ils ont vraiment aucune classe. Regardez ces drôles de créatures. Voyons voir, il y a un affreux avec un béret, un docteur en blouse blanche, un garçon mal habillé, une fille aux cheveux verts, un autre avec des cheveux rouges, un illuminé, une gerbille blanche et un lapin. Où ça? Oh non, ils nous ont vus. T'en fais pas, ils sont trop loin. Ils mettent trop de temps avant d'arriver ici. Non. Oh non, je me suis trompé. Et j'ai encore regardé du mauvais côté. Dites-nous qui vous êtes. Je les connais, ce sont les frères rangeurs, ils sont mignons. Je m'appelle aventurier. Je m'appelle explorateur. Je m'appelle observateur et on est les frères rongeurs, bonjour. Voilà ce que j'appelle une bonne présentation, simple mais efficace. Oh, il pourrait en apprendre des choses, Rockna. Ah oui. C'est moi qui ai dit ça. Vous n'auriez pas un objet de monstre par hasard? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais entendu parler, et toi? Non, jamais. Ah, ça a l'air bizarre. Tu pourrais nous le décrire? Réfléchissez, si je pouvais, j'aurais pas besoin de vous trois pour m'aider. On est en train de perdre notre temps avec ces ridicules petits rats. Allons le trouver nous-mêmes. Je me demande si ce pauvre type n'est pas en train de parler du talisman magique de Rodentia, non? Mais qu'est-ce qu'il dit? Un talisman? Si vous nous expliquiez tout ça! Le talisman magique de Rodentia est une magnifique couronne dotée de grands pouvoirs. Elle a été volée dans notre village il y a plusieurs années. Alors ça veut dire que vous ne savez pas où il est? Notre devoir à tous les trois est de le retrouver et de le remettre à sa place. Désolée, mais il n'y a absolument rien dans les livres concernant un talisman de Rodentia. Et comment ça? Si ce n'est pas là-dedans, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. C'est sûrement un objet de monstre dont personne n'a jamais entendu parler. Ne vous inquiétez pas, mes petits amis. Je suis à votre service et je serai ravi de vous aider à le trouver. Mais tu as dit qu'on était ridicule. Oh, il a dit ça juste pour vous taquiner. Pourquoi ne pas le chercher tous ensemble? Plus on sera nombreux, plus vite on le trouvera. Le docteur a sûrement raison. Très bien, allons-y. Allez, mon vieil ami, on va le trouver en un clin d'œil. Compte sur moi, mon vieil ami.
Dès qu'on aura trouvé cet objet, je me débarrasserai de lui et je le garderai pour moi. Si Excentro croit que je vais partager un objet de monstre avec lui, il se trompe sur toute la ligne. Moi, ça me gêne, cette comédie. Ouais, moi aussi, ça me donne envie de vomir. Ils vont se décrocher la mâchoire s'ils continuent à rire comme ça. Aide-moi plutôt à sortir de là. Mais ça m'aide à avoir les idées claires. Fais comme moi, tu verras, ça marchera aussi bien que la dernière fois. D'accord, je vais donner une autre chance aux pirouettes. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est justement ces pirouettes qui vont attirer tous ces ennuis. Je vais pas faire ça. Je vais rentrer chez moi. Rendez-moi mon frère. Attention, tu marques. Regardez, c'est ça, vous croyez? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce que j'en pense? Je pense qu'on perd notre temps. Le talisman était dans le même coffre que celui-là quand il a été volé. Je m'en occupe, Excentro. Ah non, pas question, c'est moi qui m'en occupe. Quel excellent somnifère. Et si je sortais des sacs de couchage pour nous tous? Hé, hey, mais à quoi vous jouez? Il n'y a rien là-dedans. Attendez une seconde, il y a autre chose là-bas. Ça doit être ça, j'en suis sûr. Mais oui, t'es vraiment sûr? Sûr et certain? Eh ben, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oh, j'adore les grenouilles, je peux en rapporter une à la maison. Ne tombe pas là-dessus, Gluco. Regardez, il y a un autre coffre là-bas. Je suis persuadé que c'est celui qu'on cherche. Je le vois. J'y vais cette fois. Encore. Ah oui, tu crois? Où est-ce qu'on est arrivé ici? Comment on rentre? Si quelqu'un nous entend, aidez-nous! Vous vous rendez compte du chemin qu'on a dû faire pour revenir ici? Alors vous avez intérêt à nous dire où est le talisman, sinon je me servirai de vous comme rat de laboratoire. Dites-nous où se trouve l'objet de monstre! Arrêtez de vous plaindre! Nous, on cherche le talisman depuis plus de 3 ans et croyez-moi, il nous est arrivé des histoires pires que ça. C'est la première fois que je vois le professeur aussi remonté. Tu as raison, il y a une grosse veine rouge qui lui sort du front. Oh, pis tes stupides pirouettes, je veux rentrer chez moi. Au secours, poussez votre chemin. Bonjour les enfants, quelle surprise. Il m'arrive un drame terrible. C'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh mon amour, ne faites pas semblant. Je sais que vous avez manigancé toute cette histoire pour qu'on se retrouve ici. Mais de quoi parlez-vous? Il est timide, mais je sais ce qu'il veut me dire. On sera ensemble pour la vie. Inutile de parler, mon cœur. Je sais ce que vous pensez quand on sera rentrés. On organisera notre... Elle est folle ou quoi? Elle est plus que folle. Moi, c'est un comme c'est beau, la vie des gens. Je trouve que j'ai déjà fait cette timbrée quelque part. Observateur, tu vois ce que c'est? Non, mais j'espère que ce bruit n'est pas ce que je crois. Ça y est, je me souviens. J'ai déjà vu cette fille dans l'outre-monde il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Naomi Loon et elle est vraiment dingue. Écoute ça, Excentro, cette femme n'est pas une demoiselle, c'est un monstre. Je me demande si l'école est au courant de ça. Je suis sûr que c'est un monstre la première fois que je l'ai vu. Je ne suis pas un monstre, je suis une maîtresse d'école avec une carte de monstre. Alors comme ça, tu te faisais passer pour un être humain alors que tu étais un monstre depuis le début, hein? Et tu essayais de me convaincre de t'épouser pour voler mon objet de monstre. Non, c'est pas vrai. Regardez, quelque chose arrive. Oh non, c'est le Minotaure. Il nous a piégés, professeur! C'est vrai! Et en plus, il sent la chaussette sale! Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais vous sauver! Mais j'ai besoin de votre aide! Maintenant, souriez tous en vous penchant sur la gauche! Hé, hey, mais comment fait du jacadi? Oui, et ensuite? On danse! Dépêchez-vous d'envoyer les rayons schizo! C'est parti! Oublions ces abrutis et cherchons cet objet de monstre nous-mêmes. Mais avant, je voudrais juste faire un peu de dératisation. Il faut vite!
vite l'arrêter. Vous n'êtes vraiment que des bons à rien. Pourquoi ne pas nous laisser faire? Qui est-ce que tu traites de bon à rien? Allons-y. Alors, monsieur Minotaure, est-ce qu'on se croit aussi fort que ça maintenant? Ces rongeurs, je les déteste. Il est en colère. Regardez, il revient. Prince Excentro, pitié, mettez fin à toute cette violence. Je suis folle de vous. Eh bien, c'est dommage pour toi que le sentiment ne soit pas réciproque. Quoi? Tu vas vite comprendre. Mademoiselle Loon est en danger. N'ayez pas peur, nous voilà. Je pensais vraiment qu'il était fait pour moi. Le seul fait de le rencontrer m'a fait comprendre que j'étais prête pour le mariage. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Mademoiselle Loon! Ah. Est-ce que ça va? Vous n'avez rien de cassé? Non, juste le cœur. Il va payer pour ça! Et moi, je porterai plainte! Personne ne mérite d'être traité comme ça, même si on a un grain de folie! Et maintenant, que justice soit faite! Et si on unissait nos forces? Tu es prêt? Ensemble, nous les vaincrons! Vous croyez vraiment pouvoir gagner avec cette chatte? Tu ne peux pas l'attraper! Raté! Encore raté! Tu n'es pas si fort que ça, en fin de compte! Hé, hey, Minotaure, tu vas pas te laisser battre par une chatte! Génial, maintenant je suis sûr de battre les chevaliers de l'outre-monde! Bien très énervant. À toi, tourbillon de feu. On n'a pas honte de le dire. On s'est trompé sur vous. Vous avez été courageux, fort, et on serait fiers de vous avoir comme ami. Et si ce talisman magique existait vraiment, on n'hésiterait pas à vous le donner. Mais on est pratiquement sûr que toute cette histoire du talisman n'est qu'une légende. Quoi? Vous voulez dire qu'on a fait ça pour rien? Génial! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que la recherche est terminée? On va chercher d'autres trésors, continuer nos aventures et voir si on peut aider d'autres créatures bizarres comme vous. C'est gentil. J'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir aidé, même si je me suis donnée en spectacle. Ne t'inquiète pas, Naomi, je suis sûre que tu vas trouver le grand amour. C'est vrai? Un jour, sûrement. Tout vient à point pour qui sait attendre. Tu as absolument raison, Rokna. Le grand amour est là, quelque part, en train de m'attendre. Et on va se trouver, j'en suis certaine. Mais je veux savoir combien de temps je dois attendre avant que ce pauvre type se manifeste. J'en ai assez d'attendre. Je veux qu'il se montre maintenant. Lève-toi, mon ami le taureau a l'intention de t'embrocher. Tu n'as qu'à pas attendre une minute. Comment veux-tu affronter un taureau avec un bout de tissu rouge? Où sont passés ton machisme et ton courage? Moi, je pouvais en affronter 3 ou 4 en même temps quand j'avais ton âge. Cacahuètes, chocolat, glace. Achetez la liste complète de toutes les blessures dont le prince pourrait être victime. En fin de compte, elle était plutôt mignonne. Oui, Excentro, attention, on arrive. Tu veux bien attendre une seconde? Je suis pas encore prêt. À la charge. Je ne préfère pas en parler avant. Allez, un peu de courage, regarde le danger en face. Il ne te resterait pas un peu de foin, mon cher hasard? Hey, mais arrête, ça. Allez, bats-toi comme un homme. Pourquoi tu ne dis pas ça au taureau? Cesse de pleurnicher, on n'a pas encore commencé. Bats-toi, espèce de lâche.